Oui, M. Scudo, un mot pour Haïti, au sommet de... M. Scudo, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Aujourd'hui, à ce 44e sommet de la CARICOM, Haïti fera partie des discussions. Oui, je suis très content d'être ici pour parler des enjeux auxquels on fait face dans les Caraïbes, mais la perle des Antilles va certainement faire partie de nos discussions. Le Canada va toujours être là pour appuyer le peuple haïtien. Les conversations sont comment on va mieux le faire et j'ai bien hâte d'avoir ces conversations. Je souhaite à tous mes amis haïtiens de passer des beaux moments malgré les difficultés. Dans ce cas pour personne, depuis quelque temps, c'est Canada, les États-Unis, la France, c'est qui n'a tête pays d'Haïti et c'est eux-mêmes qui prennent décision. Là, vous voulez, c'est eux-mêmes tout qui dit qui nous doit mettre dans le camp loin. Pendant ce temps, il y a tout petit peuple là. Vous faites ça, vous voulez, en dans bouteille papa de Saline. Je suis content ensemble avec vous aujourd'hui encore pour vous présenter une toute dernière information qui a dominé l'actualité. Mes nouvelles là, dans bon gentil mamite. Aline Souka, c'est ancien conseiller Laurent Lamothe qui était responsable pour recevoir ZAM. Laurent Lamothe est commandé dans le pays Israël qui était traversé Canada pour arriver à Haïti. Jean-Anel Belize a rapporté ça dans la chambre député. Lui-même a slam privé, journée aujourd'hui, de gauche à braque que le pays Canada a sanctionné pour implication dans le financement gang à faire Zak Malhonnête en d'un pays. Privé à Souka vient renforcer yon Gwolis Moun qui en bas sanction et nous a dit parmi eux, Mateli Lamothe ou Ronny Célestin, Gary Boudou ak Louis Latortue, Gen Joseph Lambert ak Ronaldib pour ne citer ça au seulement. Yo annonce tout yo pa voye gros bateau militaire nan rad Port-au-Prince lan kon sa k'ap vin veye activité gang yo et personne moun pou ka di est-ce que tout y a voye l'autre chablende yo te promet yo même gens Haïti te dépenser comme ça pour te dépenser ça gen quelques temps en rien pou ka fait nous style ap makel pas sous place. D'abord on a parlé a kite m tout annonce ban di examen ki kidnappé ancien sénateur docteur Gérald Gilles devant clinique li nan moment il tape monter machine pour l'entrer la caille et d'après ça un proche rapporté pour connait là nous pour connait et gain plus détail qui base qui derrière kidnapping ça et quantité l'argent il t'a réclamé pour ta libérer ancien sénateur la valas là Gérald Gilles qui pourquoi il est là nan mais bandi nan Port-au-Prince. Est-ce que tout Canada pour le camper avec les États-Unis pour permettre élection faite dans pays premier ministre Ariel Henry dans pays Jamaïque pour capable continuer dans causer sommaire Amérique là qu'a fait dans moment n'a parlé. Restez ensemble avec gain en pile information qu'a développé dans journal là pour aujourd'hui. Si vous pouvez faire ça, rejoignez l'équipe là. Abonnez ensemble avec nous, c'est Sofia TV 83. Tout détail avec information yo a continuer venir dans prochaine vidéo, n'a publié yo et on attend les plus nouvelles sur channel là. Il y a des vagabonds sangouin dans Canada. C'est yo pour porter nouvelles là. C'est yo pour tout ça yo même yo vle. Pendant que yo là la Canada y a dormi, excusez-moi, y a dormi, y a mangé, y a la toilette yo et après ça c'est yo pour aller venir monter pour aller venir dire nous mais comment tel bagarre t'est passé faut ta dieu t'es témoin. Moun qui t'est témoin yo pas quitter le palais parce que yo même yo vle rentrer dans cerveau pour yo bon menti. Yo vle rentrer dans cerveau pour c'est yo dou mais qui ça qui passé. C'est peut-être ça moi dis nous. On apprend corriger cahier sangouin ça yo. Ce n'est pas pour venir dire nous, mais ça qui passe, mais moun nan tout, ou même tout capable de poser question. C'est peut-être ça nous te adhéré nous. Nous dit, peuple a voulu parler avec Claude. Peuple a ou pas qui sa sangouin sa yon sorti. Yon pile voix yon sorti dans le jungle. On pile voix yon sorti côté qui yon sorti. Bon, moi même, moi, peuple a pas trouvé yon en bas soufflette, kembe yon krasé yon, même côté ya, ma pari ba ou moi saisi. Nous avons peuple qui vraiment bien. Peuple nous a éduqué en pile. Peuple nous a éduqué en pile. Ou quand Jean-Jacques Dessalines qui s'est fait, c'était que sans Jean-Jacques Dessalines qui t'a coulé dans la veine. Ou quand qui s'est fait, ma parie ban nous. Moun sa yo tap tellement mangé bâton, et me dit nous le ma prédit nous encore. Jodi, il faut que moun qui capable poser question à des moun qui n'a pas critiqué. Il faut que des moun tout. Ce n'est pas nous seulement. Qui vous dit et puis pour vous écouter nous. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous allons rentrer directement avec journaliste là et pour tout dossier qui passe dans le pays avec nous, journaliste nous, Yves Just. Yves Just, frère, comment y est-ce? Moi, salut, frère. Comment y est-ce? Jeudi à ce jeudi 16 février 2023, c'est déjà 4e parenthèse actualité là, qui entre la caille tout semaine là. Ancien secrétaire d'État Affaires étrangères, pays d'Haïti, Henri Robert Stellin, fait qu'on ait participation
Premier ministre de facto Ariel Henry, dans le 44e sommet CARICOM, n'a pas porté rien comme solution à la crise. Là. Au contraire, Ariel Henry fait champagne et l'alboué avec six poissons, l'a mangé dans le pays Bahamas. C'était occasion pour Dr. Stelin expliquer raison qui la cause internationale là, pas répondre à demande force militaire étrangère. C'est à cause chef primatia mal placé pour faire demande ça. Pendant le profiter occasion pour dénoncer quelques pays qui dit yo ses amis Haïti, tout en c'est eux-mêmes qui devaient instabilité pays à connaître dernier temps ça. Professeur Henri-Robert Stelin profitez occasion pour le dire, dans la semaine qui a venu, l'autorité américaine va continuer à arrêter les gens tant que le mango dans le pays, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Environ 2543 personnes assassinées seulement pour l'année 2022. 16 journalistes mourus, 1155 accidents de circulation enregistrés, 654 mourus dans l'accident Sao et puis 4844 les autres sont blessés. 5 autres disparaissent. 1200 personnes kidnappées. C'est en tout cas rapport responsable collectif des forces policières présenté pour l'année 2021 sous situation de la monde dans le pays d'Haïti. Après que Premier ministre Canada, Justin Trudeau, te fin voye yon avion militaire dans l'espace aérien pays d'Haïti pour capable contrôler l'espace côté gagnant qui est contrôlé là. Et de finalement, Justin Trudeau, aujourd'hui, qui a participé dans le 44e congrès CARICOM, annonce que pays Canada va aller pour le voye yon bateau marine sous la mer pays d'Haïti. Bateau militaire ça, la comme mission pour contrôler et puis renseignement et surveillance. D'après le Premier ministre Justin Trudeau qui annonçait nouvelle là. Justin Trudeau profite occasion pour le faire connaître. Pays Canada prendre pour sanctionner la semaine qui a venu là. Deux gros personnalités à l'intérieur du pays d'Haïti sous question de qu'a financé gang. La continuité, le 44e sommet CARICOM, eh bien, Premier ministre Bahamas là, il a gagné une bombe en dedans, sommet ça. Côté que Premier ministre Bahamas là, qui c'est Philippe Edouard Davis. Allô? Oui, où m'est parlé? Premier ministre Bahamas là, lui-même qui t'a ouvri 44e congrès CARICOM, eh bien, nous se font déclaration, côté que nous se frappons. Pays États-Unis en pile. La déclaration ça, monsieur reconnaît, toutes armes qui sortent, qui entrent en Haïti, qui kidnappent le monde, qui tuent le monde, c'est États-Unis, ils ont sorti. Ça veut dire États-Unis, ils sont un monde qui au moins a alimenté l'insécurité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Bahamas là, demandez avec États-Unis pour assumer responsabilité dans la crise de notre pays, dernier temps ça, faut que les États-Unis connaissent que lui au moins, capable de continuer à quitter Haïti, même j'ai ça. Les examens, nous ne pas arriver à identifier, à peine kidnappé, docteur lui, Gérard Gilles, dans la zone d'Elma, 103, bloc bon clinique client. N'a pas rappelé que lui, Gérard Gilles, c'est président parti politique, nous là. Et puis lui, Gérard Gilles, c'est ancien candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest, en Babanière, famille Lavalas. Julien Pierre, alias Mass Power, c'est non, yon jeune garçon qui fait partie de Good Gang, vite l'homme que la police a arrêté jeudi à la Pétionville. Julien Pierre, c'est lui-même qui s'est informateur gang vite l'homme, côté que des points nous avisent Malik, Bois Moquette, Duplan, Grosjean, la François, la Femme, la Atif, et bien Julien Pierre là, c'est lui-même qui a contrôlé. Pour le cap vivre dans un temps, pour le capable pour moi, d'éviter l'homme en terme sur une salle. Eh bien, finalement, je dis, la police qui veut arrêter Junior Pierre, alias Max Power, qui seront en terme, éviter l'homme dans la ville. L'autre information qui domine l'actualité, mauvaise nouvelle pour nous, dans la commune des Chapelles, côté que l'hôpital Albert Schweitzer annonce que nous avons fermé porte l'hôpital là, dans des Chapelles. Responsable hôpital, Albert Schweitzer, fait qu'on est, il y a pas n'importe quoi,
dans des chapelles par rapport avec gangs viens qui empêchaient l'hôpital de fonctionner. Déjà, ils ont été envoyés, ils ont l'aide dans l'hôpital là. Côté qui ont demandé l'hôpital là, 100 000 gouttes chaque mois pour le bas là, eh bien, malgré l'hôpital là, c'est accepté avec demande ça. Ils ont abaillé bas là, 100 000 gouttes chaque mois, et finalement, quand ils ont toujours activé sur les gens qui ont sorti dans l'hôpital là. C'est pour une raison, responsable hôpital, Albert Schweizer, obligé annoncer que vous avez campé toutes les services dans la commune de Chapelle. Cependant, il y a un service urgence qui a fonctionné, qui toutefois au monde, pas de gros difficulté dans des chapelles. Il y a un service urgence qui a fonctionné dans l'hôpital là. Il y a une manière pour recommander, il y a capable de continuer à porter soin dans le monde qui vit dans la commune de Chapelle. Nous prenons fois ça dans bon repos, côté que bandit Abzam, nous ne pas arrivé à identifier, kidnappé, yon school bus, je dis là, dans bon repos. Bandit yon kidnappé, school bus ça, 7 élèves là-dedans. Après que bandit yon te fin entré avec ensemble élèves qui étaient dans school bus là, finalement, bandit yon te pral, presque élèves yon retourne la caillou, mais pour autant, ni machine là, ni chauffeur school bus là, tous les deux trouvés actuellement dans le bandit. Ni que l'hôpital général en grève depuis plus passé 6 mois, ni que pays a des insécurité là-dedans depuis plus passé 2 l'année, eh bien, gouvernement Ariel Henry a annoncé que il a décaissé 100 millions de gouttes pour capable organiser carnaval dans différentes communes dans le pays. Il y a une commune qui passe comme ça carnaval, année à capter carnaval, c'est commune Léogane, qui annonce que à partir du dimanche 19 février, qui a venu là, carnaval lagué dans Léogane. Vous pouvez aller faire ça, la question programme Biden. C'est l'État républicain qui t'a attaqué programme dans le tribunal, dans le pays, dans la ville Texas, mandé avec juge qui se dossier pour capable de camper catégoriquement programme Biden. Parce que selon l'État Faro, c'est un programme qui est illégal. D'après plusieurs organisations qui ont évolué dans l'immigration sous frontières États-Unis, Mexique, migrants haïtiens et africains, il y a des difficultés pour sortir Mexique pour traverser entre États-Unis. Difficulté à ce qui la cause, c'est par rapport avec matériel que l'autorité américaine nous mettait sous frontières là. Lorsque un monde noir paraît devant matériel là, il n'y a pas qu'à scanner visage. Mais pour autant, là un monde pour clair paraît devant matériel là, il scanne visage bien rapide. Eh bien, mais du côté, question raciste là, dirigez. Nous prenons le point ça, non, zone au cap haïtien, port de paix. C'est que hier soir, aux environs de 1h50 du matin, qui ont tremblement de terre, qui passait dans le cap haïtien, dans le port de paix. Niveau tremblement de terre, ça, c'est 5.5 qui passait comme une étude. Quand nous jouons, nous qui avons dormi, dans le cabane, dans le cap haïtien, dans le port de paix, obligé de courir péter porte, parce que réplique là, c'est vraiment fort, c'est une réplique à 5.5 dans le département nord pays, côté que nous courir. À cause de tremblement de terre qui passait hier, dans le cap haïtien. Nous allons sur ça, la question la police nationale d'Haïti annonce que ils ont arrêté 3 présumés assassins qui étaient tous les anciens sénateurs Yvon Bistret dans la commune de Thomasin. Côté que 3 assassins, c'est Kevin Jean, Simon Louis et Wilkins Louis. Tous les 3 individus, ils ont la police. Parce qu'il était participé dans tout le monde. En sénateur, ils vont discret dans la boule 12. Pour le jour, la police fait connaître qu'ils ont arrêté tout. Ils ont fait un de Francky Charles pour implication dans l'assassinat commissaire Arlington Rigaud devant commissariat Pétionville. Lorsque l'autorité américaine a évoqué le bateau dans la mer qui a dit qu'il a protégé l'édifice, je dis, est-ce que l'autorité canadienne va entrer dans la même logique-là, comme quoi que vous avez dit, je vais le protéger, édifice canadien, en deux pays. Une édifice canadienne, en deux pays, qui ont importance capitale pour nous, c'est l'ambassade Canada qui trouve le Nandelma. Et bien, je dis, qui est-ce qui la cause que l'autorité canadienne, ce bateau, il va le voir sous la mer pour gérer les questions d'insécurité. Les quatre commettent insécurité en deux pays. C'est la seule façon de passer, non? Il va passer à tête, oui.
Yo utilisé voie terrestre pour passer dans ce kidnapping. Parmi eux, malgré que l'autorité américaine fait un bateau sous la mer, chef gang ISO te prend Yachli pour le kidnapper. Propriétaire pariage comme nous, juste dans la commune à Kaye. Et les autres, autorité canadienne, fait qu'on est, dans la semaine qui a venu là, il y a beau bateau avec militaire canadien là-dedans, tous sous la mer, tout capable pour me contrôler l'espace. Je dis à me penser que c'est bluff, n'est-ce pas, avec tes têtes, c'est une bêtise, c'est la passe de monde. Je dis, si autorité canadienne peut aider nous, c'est accompagner la police là, accompagner la médaille ici. Combien de temps nous venons de nous commander plusieurs matériels dans nos mecs là, parmi eux, chablende, zam, j'ai pas balle, botte pour policiers nous. Jusqu'à présent, matériel pour que j'aime arriver, délivré en Haïti. Mais pour autant, tout comme nous, je dis, le Canada veut aider nous correctement. C'est blindé pour avoir nous, le matériel que vous achetez. Mais plutôt, c'est bon blindé pour avoir nous, pour nous capables de combattre quelque gang en notre pays. Premier ministre, dis-nous, qui est-ce qui sorti positif pour Haïti dans la réunion? La fond déclaration, Pita. La fond déclaration, Pita. Ok, qui est-ce qui dit la voix d'Amérique? Pour le monde capitaine, il y a plein de bagages. Alors, les associés, pour les gens, est-ce qu'on force? Est-ce que finalement Haïti joue une demande ça pour force, pour insécurité? Déclaration, Pita. La fond déclaration, Pita. Merci. Premier ministre Trudeau, un mot pour Haïti au sommet de. Premier ministre Trudeau, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Aujourd'hui, à ce 44e sommet de la CARICOM, Haïti fera partie des discussions. Oui, je suis très content d'être ici pour parler des enjeux auxquels on fait face dans les Caraïbes, mais la perle des Antilles va certainement faire partie de nos discussions. Le Canada va toujours être là pour appuyer le peuple haïtien. Les conversations sont comment on va mieux le faire et j'ai bien hâte d'avoir ces conversations. Je souhaite à tous mes amis haïtiens de passer des bons moments malgré les difficultés. La grande question, M. Trudeau. Merci. Thank you.